raquette dans la vitesse. Voilà, en sachant qu'il va falloir donc être très haut. Rosy qui avance. Voilà, c'est exactement ce qu'il faut qu'il fasse. J'allais dire les jeunes. Amener dans ce petit jeu, dans le contrôle sur l'avant du cours, jusqu'à ce que Rosy et Ronan n'aient plus de solution pour aller dans ce jeu. Ils sont obligés de lever pour donner la situation d'attaque à Kenji. Allez, de nouveau tendu. Ah, c'est bien joué, très très bien joué. Ouais, bravo Kenji Lovang. Et Kenji, très très belle défense croisée avec le revers qui a complètement ouvert le cours derrière. Et là, Ronan qui va parler à l'arbitre, Edar Ditu. Alors, un plus, mais certains joueurs sont en pleine capacité de gérer leur abord tactique et d'être, de prendre, de toute manière, à un moment donné, ce sont les joueurs qui prennent les décisions hein, sur le terrain. Donc, les entraîneurs sont en appui, en guide, mais les décisions reviennent aux joueurs. Le beau river slice là qui fait la différence. Ah, c'est trop court. On a bien défendu. Ça touche le filet mais ça passe. Et il est enfin lancé ce match, voilà. Avec des points. Un peu plus à rallonge là, Arnaud, ouais, qui a vu que ça. Ah, il a glissé, il a touché mais il a glissé. Mondial dans le sillage de Caroline Amarine, elle était un tout petit peu dans l'ombre jusqu'à présent et là elle commence à s'épanouir complètement sur le top niveau mondial. Là, front avant de la part de Léonis qui est malheureusement un tout petit peu court. Voilà, c'est exactement ça. Léonis, elle était patiente sur cet échange, elle avait la situation d'attaque, mais elle est repassée une fois de plus par le fond du cours en fixant son Yael et créer le très bon décalage qui lui permet de terminer très très long. Et ça ne s'est pas fait finalement. Et finalement, de très très peu, à une voix près, voilà, on a maintenu l'ancien scoring. Mais je pense qu'il y aura d'autres. Et on a vu effectivement la bonne défense d'Emily, mais derrière le boss match l'a décroisé, qui va faire du bien côté Bowman Gancy, champion de France en simple, finaliste de 10 tournois internationaux, qui a été à un moment 35e mondial. Donc, désormais, ils sont ensemble, corvée et la barre. Ouais, c'est bien enchaîné de la part de Lucas Corvée. Ouais, c'est bien joué. Très bien joué. Service